Ramadan 2023, 1444. La force du partage, 8e édition. Cette première étape est lancée dans le sud du Sénégal, précisément dans le département de Bounkiling, commune de Yakunda, village de Kebom et environ. Il est 8h, jour J, pour la distribution des denrées alimentaires. L'équipe de Sakuyu quitte Ziguinchor, direction Kebom, à 70 km. À 20 km de l'arrivée à Oulampan, blocage. Des manifestants ont barré la route. Aucun véhicule ne peut passer. Bon, ça chauffe à Dakar. Les gens y ferment, personne ne se déplace. On est à Ziguinchor, ça reste toujours une zone très sensible. Emprunter des pistes, il faut savoir que là, le focus, c'est la sécurité sur les axes de déplacement. Ce qui fait qu'il y a un peu de fragilité dans la brousse. Il ne faut pas prendre de risques à prendre des petites déviations. Il faut jouer sur la sécurité. Voilà. Après concertation, l'équipe de Sakuyu, avec le maire au téléphone, décide de retourner vers Ziguinchor. Première étape du Force du Partage reportée. Le chemin du retour est également bloqué et l'équipe est obligée de négocier avec les manifestants. Là, on est en train de négocier là, avec les manifestants. Bon, ils comprennent la cause humanitaire, mais ils disent que il n'y a vraiment pas moyen de nous laisser passer parce que bon, ils veulent paralyser tout le système. Voilà, Nyingini là en tout cas, il y a l'autre là avec la veste marron. Je pense sûrement il est le leader. Donc on est en train de négocier. Chose réussie. Le lendemain, l'équipe reprendra la route, mais décide de contourner le barrage avec 200 km supplémentaires. Mais les manifestations persistent toujours sur les routes. À Bounkiling, les manifestants se montrent plus intraitables. Donc, le département de Bounkiling est en action. À Bungari, qui commanderait Nyun Bar. Barrenagnou jusqu'à nouvel ordre. Fibre, une semaine, nous qui commandons, on est là. L'équipe est une nouvelle fois bloquée. C'est un peu compliqué, hein. C'est le deuxième ou troisième barrage que nous essayons. Mais cette fois-ci, pas question de faire demi-tour ou d'annuler cette prestigieuse étape au profit des populations qui attendent dans l'espoir. L'équipe décide de contourner ce barrage avec l'aide de volontaires sensibles à notre mission. Nous y arrivons non sans peine. Nous avons en effet une panne. L'équipe se sépare en deux. Un groupe se met à réparer le véhicule, tandis que l'autre prend la direction de Kebom, à bord d'un tricycle pour préparer la distribution. Il a une. Il a Kebom. Kebom, théâtre des distributions, il y a les denrées qui nous attendent là-bas. Comme la voiture est en panne, on les laisse la réparer ici et puis on va aller s'occuper de...
les opérations en attendant. Masha'Allah. Astaghfirullah dinakum wa rawatim a'malikum. Amin. Une route difficile, une forêt dense, à quelques encablures du lieu de distribution, nous avons trouvé un gros serpent tué par les jeunes. Quinze heures, arrivé enfin sur les lieux où, sans tarder, les pistes kits sont disposés. 70 kits au total à distribuer pour 6 villages des environs de Kabum, Kamunda, Mafungo, Basari Chouba. Maïmouna Badji. Arani. Ousmane Manga. Asumana Badji. Pour ce lancement de la première étape de la Force du Partage, 8e édition, donc pour ce Ramadan 1444, ici à Kabum. Donc on va procéder à une distribution de 70 kits. Le kit, c'est quoi? C'est 5 litres d'huile, 5 kg de sucre, un sac de riz de 25 kg. Donc voilà, on vous appelle donc à suivre la caravane. Ceux qui n'ont pas encore découvert cette caravane, vous pouvez aller sur le site internet de Sakou Action pour l'Espoir. On a des numéros de téléphone, donc on a beaucoup de plateformes sur lesquelles vous pouvez nous rejoindre. Mais le plus important surtout, de mettre la main dans la poche et de sortir, contribuer aux cagnottes qu'on récupère pour acheter ces denrées-là pour ces populations les plus démunies. Chers musulmans, vous pouvez aussi participer à cet élan de solidarité de la Force du Partage durant tout le mois béni de Ramadan. Sakuyu Senegal, Sakuyu Bitu.